Ça va commencer. Ouais. Voilà. Oui. Ils étaient beaux, les petits, hein? Oh oui. Attends, je reviens en arrière. Voyons. OK, je l'ai. Ça y est. Oh mon Dieu, c'est moi, ça. Oh, avoir su que ce trouble me grossissait comme ça. Ben voyons. Depuis que je te connais, tu dis que t'es trop grosse. Franchement, vous auriez pu me le dire. Ben non, ben non. Ouais, regarde ici. C'est toi. Ben oui. Avec Nicole. Moi, Claire, là. Si quelqu'un m'avait dit un jour que ton fils épouserait ma Nicole. C'était écrit dans le ciel, ça, ma fille. N'empêche, quand même incroyable. Oh mon Dieu, qui t'allait bien ton chapeau, Claire. Merci. Que c'était. Oh, regarde Gilbert. Oh, c'est encore un bel homme, mon mari. Hein? Oui, une belle âge. Il a une très belle prestance. Je connaissais pas eux, moi. C'est de la famille de. Oui, de Claire. Oui. Ok, garde Véronique, François. Hey, Jean-Paul. Ben, on ne voit pas beaucoup de garde Roger. Oui. Oh, tu peux même parler de Gilbert, Claire. Enfin, garde-les avec ses enfants. Garde-les. Hein? Oui, Evelyne, je trouve qu'Olivier a beaucoup changé depuis un an. Hey, je sais pas ce que tu lui fais. Il vieillit. Oui. Garde Roger avec les petits. Mon Dieu. Mais lui, ce qui compte, ce sont ses enfants. Mm-hmm. Tu regardes-les. Carole a l'air d'être une poupée, hein? Oui, mignonne, hein? Mon Dieu, que j'avais l'air affairée. Bon, c'est normal, écoute. On était nerveuse, hein? C'est normal. Oh, lui, j'ai trouvé tellement gentil, ce monsieur. Oui, c'est les amis de Québec. Oh, c'est qui la grande blonde? La grande copine de Nicole. Oh, belle fille. Oui, très belle, très gentille. Garde Olivier en complet, ça se peut-tu? T'aimes-tu le voir en costume de jogging tout le temps? Oh, ça c'est bien ma Diane, hein? Même au mariage de son frère, elle fait bande à part. Ah, solitude, oh. C'est pas comme ma Ginette, hein? Regarde l'affaire du charme, là. Oh mon Dieu. Ma fille Claire me fait penser à toi quand t'étais jeune. Oh, ben laisse pas tranquille. J'ai jamais été après les hommes comme elle. Je te voyais pas. Oh! Mais on dirait que c'est elle la mariée à l'avoir avec Marc, franchement. Non, j'aime pas. Marc, qu'elle a une belle peau, hein, qu'elle a l'air en santé. Oui. Véronique. Oh mon Dieu, qu'elle est élégante, qu'elle est chic. C'est facile pour elle, hein. Elle a les moyens avec son magazine de décoration. Mais c'est pas à cause de ça, toujours eu du goût. Bien plus que moi, d'ailleurs. Ben, voyons. Ben donc. Oui. Regarde s'ils font un beau couple, François et elle. Oui, hein? Ils sont grands, tous les deux. Ouais. Ça. Hey, c'est qui, là, le jeune homme qui parle avec Marc? C'est pas le Ginette? C'est un ami que Marc avait perdu de vue. C'est un voisin quand ils étaient jeunes. Je l'ai pas vu à la réception. Non, il a pas pu venir. Paul Legault, tu l'appelles? Oui. OK. Pourquoi? Est-ce qu'il travaillait? Oui, il travaillait. Bon. C'était beau, sa robe, oui, hein? Très belle robe. Très belle. L'idée des fleurs dans les cheveux, c'est joli. Oui. C'est plus beau qu'un voile. Mais là, c'est fini. Là. Tout le monde s'en va vers la voiture. OK. Oh, ben, c'était beau. Oh, franchement. Mais j'ai pas apporté la cassette de la réception. Elle était pas mal moins bonne. Ah, oh, ben, j'aime autant ça. J'ai tellement fait un fou de lui à réception. Lui, quand il prend un verre, là, Moi, je m'étais juré que je pleurais pas, je pleure même en regardant les images. Oh, ben, je pleure tellement que je vais finir par trouver ça offensant. Comme si tu savais pas la chance qu'avait ta fille Nicole d'épouser mon Marc, le meilleur garçon du monde. Ils sont revenus quatre voyages de noces. Avant-hier. Ils ont fait un magnifique voyage. Oh oui, c'est ce que Nicole m'a dit aussi. Mm-hmm. Un mois au Portugal. Oh, ça, c'est un beau cadeau. Qu'est-ce que tu veux avoir de mieux? Hein? Oh. C'est le cadeau de Gilbert. Mm-hmm. Je devrais peut-être laisser la cassette. Il y en a sûrement d'autres qui vont vouloir la voir. Oh, hein? Oui. Je pense que ça ferait plaisir à Véronique, par exemple. Mais laisse-la. C'est vrai que c'est aujourd'hui le grand jour. Mais oui, c'est aujourd'hui que François devient le nouvel associé. Ben, moi, je trouve qu'il était temps. Ils ont tellement de travail au bureau, là. Ça va s'appeler Trudel, Bello, la montagne et O'Neill maintenant. Moi, je trouve que ça devient trop gros. C'est malgré tout Gilbert qui a tout ça sur les épaules. Hey, bon, ben, c'est bien beau. Mais moi, je ne suis pas préparée. Ben, on va t'aider si tu veux. Après tout, on est là pour ça. Je me demande bien à quoi t'as pensé pour autant de monde. Mais Roger et moi, on a pensé que ce serait une bonne idée de profiter de ce qui reste de beau temps. On va faire des brochettes sur barbecue. Oh, ça, c'est une bonne idée. Ah, oui. Moi, j'ai horreur de recevoir plus que vite. Non, ben non. Et que vous en avez de la chance d'avoir un peu d'espace. Que je donnerais, moi, pour avoir un coin de jardin. C'est agréable. Ben, dis-nous quoi faire, on va t'aider. Bon, ben, les hommes ont dit qu'ils arriveraient à quelle heure? Oh, ils ont juré, pas plus tard que 6 heures. Parce que le barbecue, c'est l'affaire de Roger. Mais ils doivent passer par mes enfants avant. Ah bon? Mais je me demande pourquoi ta sœur a encouragé son mari à changer d'emploi. Il y avait pourtant un bon poste à la banque. Il avançait plus. C'est au moins deux fois que François est dû pour une promotion, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Ah,
Avec sa formation d'avocat, il va être utile au bureau. Ah oui. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Gilbert laisse tout ça. Mm-hmm. Marc pourrait prendre la relève, et puis nous autres, on pourrait voyager. C'est vrai, on n'a jamais rien fait. Rien fait? Ben voyons donc, t'es la seule qui va en Floride chaque hiver. Mais justement, je l'ai assez vue, la Floride. Marc est trop jeune. Ils viennent juste de se marier, donne-leur une chance. Qui est-ce qui nous en a donné une chance à nous, hein? Moi, ça fait 27 ans que je passe la nuit debout à chaque fois qu'un ministre des Finances ouvre la bouche à Ottawa ou à Québec, parce que les clients s'attendent à avoir toutes les réponses le lendemain matin. Ouais, on a fait notre part. Mais Gilbert s'ennuierait s'il était à la retraite. Il est bien trop jeune. Il a 49 ans. On rajeunit pas personne, hein? C'est pas parce qu'on les paraît pas qu'on les a pas. Moi, ça me coûte assez cher pour tenir tout ça en bon état. Des fois, on se demande pourquoi. Pourquoi? Mais pour garder mon mari, ma fille, puis tu sauras que lui, il l'apprécie. Il y a un message là-dedans? Non, prends-le si tu veux. En tout cas, moi, je sais toujours où il est, Gilbert. Et moi, je peux pas en dire autant. Mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. De la façon dont tu parles, ce serait aussi bien de le dire clairement. Oh, ben moi, les maris des autres, est-ce qu'ils font? C'est les autres qui le savaient. Bon, ben Claire, si tu veux m'aider, c'est le temps, là. J'ai 4 douzaines de blé d'Inde à éplucher. Mais avec mes hommes, t'es folle! Allez, allez. C'est tout. Oh. Tiens. Avec un lave-vaisselle, tout est propre et brillant. J'ai remarqué que ma vaisselle est brillante. Il lave bien les ustensiles, il les rend brillants. Propre et brillant. Les verres, je les ai pas rincés, puis Hall les a bien nettoyés. Propre et brillant. Hall est un bon produit. Il fait un bon travail. Propre et brillant. Après avoir essayé Hall lave-vaisselle, Carole Girard a été convaincue. Hall rend la vaisselle propre et brillante. Et il est reconnu par les grands fabricants de la vaisselle. Hall est imbattable. Chaque fois que vous y mettez du Canadien à la station Petro-Canada, vous posez un geste dont bénéficient tous les Canadiens. Parce que Petro-Canada, ça nous appartient. Cette année, je prends mes vacances à Noël. Il y a trop de monde dans les magasins. Puis il y a cadeau surprise, la nouvelle instantanée de l'Auto-Québec. Avec 1 $, vous avez 2 chances de gagner. Ici, jusqu'à 10 000 $ instantanément. Puis ici... Vous pouvez gagner des appareils photo, des radiocassettes, des magnétoscopes, des fours micro-ondes et des télécouleurs. Des cadeaux, comme si ça tombait du ciel. André Lachapelle recherche avant tout l'excellence. À mes amis, j'essaie de toujours donner le meilleur de moi-même. Et quand j'offre une bière, j'offre ce qu'il y a de mieux. John Labatt classique, soigneusement brassé par petites quantités, selon le procédé Krausen, une des bières les plus longuement mûries au monde. Mes invités et moi, nous apprécions le goût riche et velouté de la classique. C'est une bière exceptionnelle. Offrez-vous ce qu'il y a de mieux. John Labatt classique. Arctic Power est conçu pour laver à l'eau froide. Ce n'est pas le cas de tous les détergents. Voyez. Arctic Power a une formule spéciale qui a plus de vigueur à l'eau froide. Certains autres détergents sont efficaces à l'eau chaude. Mais dans l'eau froide, ils perdent de la vigueur. Dans l'eau froide, le choix du détergent, c'est ça qui compte. Pour du linge propre comme ceci et des couleurs vives comme ceci, employez ceci. Arctic Power a plus de vigueur à l'eau froide. En tout cas, François, quand ça a commencé, mon père avait un petit bureau à la Place d'Armes. Même pas une secrétaire. Il faisait tout seul. Quand il a eu les moyens de se payer une secrétaire, je la lui ai enlevée en 3 mois, puis je l'ai mariée. Quand le père est mort, je vous ai cherché des locaux un peu plus agréables. De son vivant, il n'aurait jamais voulu. Là, on s'est installé à la place Ville-Marie. On a commencé à prendre du mieux. Quand ça s'est construit ici, j'ai regardé monter la tour. J'ai été le premier locataire. Là, on est passé dans les ligues majeures. Demande aux autres. Oh oui, hein? Ça c'est vrai. C'est là qu'on a commencé à ramasser les plus gros clients. Hein? Service de qualité personnalisé. Une maison qui a le sens des responsabilités. C'est nous autres. Oui, monsieur. Messieurs, j'espère que je serai à la hauteur. Avec ton expérience, tu nous seras très utile. Les impôts, ça devient de plus en plus compliqué. Mais
On a besoin d'un avocat fiscaliste. Je sais bien qu'on a une liste d'avocats à qui on a recours quand on en a besoin, mais dorénavant, c'est toi qui seras le directeur du service. Tu pourras superviser ce qu'ils font. J'ai absolument besoin d'un homme de confiance. Jean-Paul va t'expliquer comment on fonctionne. Hey, pour commencer, on a chacun notre bureau, tu vois. Et on n'a pas de secrétaire. C'est-à-dire qu'on a un pool de secrétaires, tu vois. Depuis que Gilbert a marié la seule que son père avait engagée, on n'a plus aucune chance. On a 11 comptables à plein temps. Ça, c'est mon département, le personnel. Tous nos comptes sont sur ordinateur. À part ça, Roger, lui, il s'occupe du service des plaintes. Il s'organise pour que les clients soient heureux. C'est moi qui me tape les invitations au restaurant, les cocktails, les réceptions. Oh. Je suis celui qui a les problèmes de foie. Gilbert, lui, est celui des ulcères d'estomac. Il traite avec les ministères qui collaient. Il mange du fonctionnaire, c'est dur. C'est dur. C'est pour ça que je fume plus puis je bois du lait. Plus de café, jamais. Ouais, écoute, on va faire ajouter ton nom sur la porte d'entrée. Jean-Paul va te montrer ton bureau. J'espère que tu vas devenir un partenaire à part entière et que tu vas vite prendre ta place. Bienvenue, mon vieux. Merci. Bon, ben là-dessus, moi, je retourne à la maison, hein, chercher ma fille Diane. On se retrouve chez Roger ce soir. Ouais, ouais. Une corvée de barbecue. C'est une idée d'Evelyne. Ben, Claire m'a dit 6 heures, c'est bien ça? 6 heures, oui. Ouais, c'est ça. Oh, François, une règle absolue. On parle jamais des affaires du bureau devant les femmes. C'est tout ce qu'il nous reste. Je vais te montrer ton bureau. Il faudrait que je téléphone à Véronique. Comme je ne savais pas à quelle heure ça allait se terminer... Justement, tu as un téléphone dans ton bureau. Moi, il faut que j'aille partir le feu. À part ça, les femmes sont ensemble, hein? Sont capables de fomenter une révolution. Ah, la mienne, peut-être pas la tienne. Elle est douce comme un agneau. Oh, tu ne connais pas dans l'intimité, toi? Ah, pas encore, c'est vrai, mais je ne demande pas mieux, moi. Pouf! Pas drôle, hein? Méfie-toi, c'est le tombeur de la boîte. Dès que ça a deux jambes et ça porte un jupon, il part en chasse. Ah, non, jamais avec la femme d'un ami, surtout pas un associé, hein? Attends, tu peux dormir un peu. Oh, on dit ça. Salut, oui. Vous entendez bien, quoi, toi? Ah, avec Gilbert, il n'y a pas de problème. Roger, lui, il est un peu mou, tu sais. Ouais. Ça va. Avec toi dans le bureau, maintenant, ça va changer les rapports de force. C'est vrai? Gilbert, souvent, il est obligé de trancher. Maintenant, ça va être différent. Je vais te montrer ton bureau. Tu vas pouvoir téléphoner à ta femme. Mais tu sais, j'ai beaucoup d'admiration pour Véronique. C'est vrai. Elle a beaucoup de cran. Puis ça n'en prend aujourd'hui pour faire marcher un magasin. Hein? Oui, elle se débrouille pas mal. Mm. Mais moi aussi, je l'admire beaucoup, d'ailleurs. Mm. Lucie, tu sais, ma femme, elle aussi, elle aimerait ça travailler. Mais je me demande bien ce qu'elle pourrait faire. Puis il y a Ginette à la maison. Puis il y a moi. Ça prend quelqu'un pour s'occuper de moi? Non? Sinon, on en finira plus. Ça y est, je viens de me casser un ongle. Ça va me prendre un mois avant de me refaire des mains. T'en colleras un. Mais je suis pas tranquille, j'ai horreur de ça. Bon, ben tout est prêt, puis j'ose pas partir le feu, j'ai peur de ça, moi, le gaz. De toute façon, Roger doit être la veille d'arriver, c'est tellement rapide, hein. Je vais prendre 5 minutes. Ils seront en retard, comme d'habitude? Moi. Tu sais ce que c'est quand ils sont ensemble. Heureusement qu'on les connaît, hein. Moi, des fois, je me fais penser à une veuve. Ben, c'est gay. Tu te sens pas toute seule, toi, des fois? Mais je m'occupe, moi. Mais à quoi, grand Dieu? Ben, je m'occupe de moi. Maintenant, j'ai le temps et les moyens. Je me suis inscrite à des cours de danse aérobique. Pour l'automne. 2 soirs par semaine. Bon, qu'est-ce que ça va te donner? Mais ça me tient en forme, puis ça passe le temps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Ben, moi, si j'avais le temps, si j'étais pas coincée en banlieue, je prendrais des cours. Ben, pourquoi pas? C'est la mode de retourner à l'école. Ça m'intéresse. J'ai pris mes renseignements, j'ai tous les détails, là. Avec les études que j'ai déjà, ça me prendrait 2 ans. Mais comme il faudrait que je le fasse le soir... Pourquoi le soir? Tu as du temps dans la journée? Avec la maison, les enfants... Oh, puis de toute façon, c'est souvent le soir seulement que je peux voir Roger, hein. Si Gilbert était plus raisonnable aussi. C'est le travail de Roger. Tu voudrais pas que Gilbert fasse ça aussi? Il y en a déjà trop comme c'est là. Moi, ce que je voudrais, là, c'est travailler.
Mais à faire quoi? Des secrétaires, il y en a des bien plus jeunes, puis des bien plus qualifiés que toi. C'est pas nécessaire d'être secrétaire. Puis l'expérience que j'ai, ça doit bien valoir quelque chose quand même. Mais quelle expérience? Tenir maison, élever des enfants, mais ça compte pas. Puis l'expérience dont tu parles, justement, ça vient avec l'âge. Et à l'âge qu'on a, il n'y a plus personne qui veut de nous autres. Non, tu te racontes des histoires. Tu as toujours voulu être différente des autres. C'est pas pour être différente des autres. C'est pour me sentir utile. Evelyne se sent utile. Elle vient de le dire. Et puis avec un mari, puis t'as encore Ginette à la maison. Mais c'est parce que tu sais pas t'organiser, hein? Il y a plein de choses qu'une femme peut faire. Prendre des cours de danse, faire de la gymnastique, merci pour moi. Mais ce que je voudrais, là, c'est avoir quelque chose à moi, gagner de l'argent, être indépendante. Mais ça y est, c'est une vraie épidémie. Mais tu l'es indépendante. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. Tu ne me feras pas croire que c'est le peu d'argent que tu ferais chaque semaine qui te rendrait plus indépendante. Laisse-moi tranquille. Et puis tu serais comme les autres, hein. Quand Jean-Paul serait là, tu serais trop fatiguée pour en profiter, hein? C'est comme ça que les couples se défendent. Ça, tu n'y penses pas. On parle pour parler, mais moi aussi, je pense que le fait de gagner un peu d'argent, ça doit donner confiance en soi. Mm-hmm. Il me semble qu'on doit se sentir moins obligé de toujours être parfait. Si tu t'y mets, toi aussi. Je dis ce que je pense, Claire. Garde-moi là. La dernière fois que j'ai eu besoin d'un manteau, bon, j'étais obligée de gruger pendant des semaines sur l'argent du ménage. Puis quand je l'ai acheté, il a fallu que je dise à Roger que je l'avais payé la moitié de ce que je l'avais payé. Sans ça, il l'aurait trouvé trop cher. Mais ça, tu vois, je trouve ça difficile. Moi, j'ai mon compte en banque. Oui, Gilbert me donne un peu d'argent pour moi, là, de temps en temps. Si vous savez pas vous y prendre... Alors, t'as de la chance. T'as de l'argent en banque, toi? Moi non plus. Moi, je vous comprends. Vous allez pas me dire qu'on fait pas la belle vie. Hein? Qu'est-ce qui vous manque à vous autres? Celles qu'il faut plaindre, là, c'est celles qui ont rien, celles qui sont toutes seules, celles que les maris ont laissées tomber. Ça, c'est autre chose. Ça t'a pas fait quelque chose, toi, que ton fils se marie? À condition que Nicole le rende heureux, moi, je suis contente pour lui. Elle non plus, elle n'aura plus besoin de travailler. Marc va bien en prendre soin, il est comme son père. Là. Nicole n'arrêtera jamais de travailler. Toutes les études qu'on lui a payées, tout ça serait gaspillé. Oh, ben, je l'ai dit à Marc, hein, qu'elle travaille jusqu'à temps qu'elle soit enceinte. Après, tu verras, ce sera une autre histoire. Elle sera bien contente, elle aussi, de rester à la maison. Mais tu la connais mal. Je la connais depuis qu'elle est bébé. Ça fait rien. Je sais pas comment elle est faite. Mais de toute façon, les jeunes, ils font ce qu'ils veulent. Hein? Puis t'avoueras, Claire, que Marc, c'est un cas à part, lui, il a tout cuit dans le bec. Oh, ben, il travaille pour ce qu'il a, hein. Gilbert, on lui fait pas de cadeaux. Ah, en tout cas, une que j'envie, moi, c'est ma sœur Véronique. Elle, elle fait ce qu'elle veut. Oui, mais elle a pas d'enfant, elle. Ça, ça fait jamais un couple heureux. Oh, tu m'énerves avec tes jugements sur les autres. Bon, ben, est-ce que je peux vous offrir un apéritif, Claire? Ben, bonne idée, parce que moi, avec la conversation qu'on a là, je déprime. Lucie, viens t'asseoir. Si on peut plus parler franchement maintenant. Diane? Diane? Oui? Il faudrait qu'on parte tout de suite, je suis mal stationné. Diane? J'ai pas envie d'y aller. Ah non, tu peux pas faire ça. On fête le retour de Marc et Nicole. On remarquera même pas que je suis pas là. Je t'avais dit que je viendrais te chercher à 5 heures. Vas-y, sans moi. Non, je peux pas, poussin. Ta mère va être furieuse. D'une façon ou d'une autre, elle sera furieuse. Si j'y vais pas, elle sera furieuse. Et si j'y vais, elle sera furieuse parce que je me trouverai un coin tranquille. Elle dira que je suis sauvage, encore une fois. Oh, tu lui expliqueras. Écoute. Quand je peux le faire, je le fais, tu le sais. Mais cette fois-ci, c'est pour Marc. Tu comprends? Tout le monde sera là? Oui, je pense. Toujours les mêmes. On voit jamais personne d'autre. Si tu veux, forcément, on est liés et on passe nos vies ensemble. Oh, je suis en train de lire un bon livre. Je te promets qu'on viendra pas tard.
Va pousser, va te changer. J'ai pas envie de me faire engueuler. T'as l'air fatigué. Oui, un peu. On devrait téléphoner et rester ici ensemble. Non. Hey, je t'attends dans la voiture, je suis stationné du mauvais côté. Je te donne 5 minutes, là. T'es sûr qu'il faut que je me change? Fais-le pour moi. Bon, tant pis. Mets de la couleur. Ça fera plaisir à mes yeux. Oh, si c'est pour tes yeux! Radio Shack a des cadeaux qui pourront plaire à tous à Noël. Par exemple, ce magnétoscope compact avec 13 fonctions et télécommande sans fil à seulement 449,95. Ou un élégant téléphone personnel monopièce de ton blanc ou brun, seulement 19,95 chacun. Et cette chaîne stéréo complète avec enceinte, tourne-disque, magnétocassette à deux platines et récepteurs pour seulement 179,95. Radio Shack. À Noël, c'est le monde fantastique de l'électronique. Vous pensez vraiment être capable d'en prendre un dernier? Vous croyez vraiment que la vie des autres n'a pas d'importance? Avant de démarrer, pensez-y bien. L'alcool au volant, c'est criminel, qu'on se le dise. Ah, c'est vous, le nouveau jeune retraité actif. Tiens, mon jeune ami qui pose des questions sur les supermarchés. J'en ai une bonne pour vous. Excusez-moi, mais c'est moi qui pose des questions d'habitude. Où est-ce que vous pensez que j'aurai plus de qualité et plus de service que chez Provigo? C'est un nouveau système amélioré. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on a du temps à perdre, vous savez. Mais monsieur... Non, en langage clair, là. Qu'est-ce que vous allez me donner de plus que Provigo? Hein? Une chanson? Provigo, parce que vous êtes différent. Après 25 ans, les gens en ont assez des détergents en poudre sur la vaisselle. Heureusement, vous pouvez dire adieu aux poudres. Voici Palmolive Automatique, un nouveau liquide révolutionnaire conçu spécialement pour les lave-vaisselles automatiques. Parce qu'il est liquide, il se dissout plus vite et ne laisse aucune trace de poudre au rinçage. Alors, levez votre verre et dites adieu aux poudres avec le nouveau Palmolive Automatique. Si la gorge te fait souffrir, je connais ce qui peut te faire sourire. Vite, avec moi ça marche toujours. Si tu te sens la gorge irritée, laisse-moi t'aider à te soulager. Vite, avec moi c'est agréable, je veux t'aider à te sentir mieux. Si ton gosier est douloureux, Vix, avec moi, ça marche toujours. Les pastilles Vix pour la gorge, médicamenteuses au menthol. Vix, avec moi, ça marche toujours. Écoute, Monique, c'est pas la première fois qu'ils utilisent cette excuse-là. Nous, on doit être en kiosque dans 6 jours, ils le savent quand même. Mais c'est pas notre problème, ça, s'il y a une braise qui est brisée. On a un contrat avec eux. Hein? Oui, oui, je t'écoute. Ils font travailler tout le monde cette nuit et demain samedi. Ça va leur coûter cher, mais ils ont bon espoir de rentrer dans les délais. Mais non, il n'y a pas de mauvaise volonté. Au contraire, ils font tout ce qu'ils peuvent, je te l'assure. C'est ce que je pense. Je pense qu'ils ont fait passer quelqu'un avant nous. T'es sûr qu'il est brisé? Ah. Évidemment, si les morceaux étaient par terre... Je les ai vus, de mes yeux vus. Fais-moi confiance. Bon, écoute, ce que je te propose, là. Je me pointe à l'imprimerie. Lundi matin, à la première heure, je verrai bien où ils en sont. Je peux vraiment pas pousser dessus davantage pour le moment. Mais non, c'est normal, je suis là pour ça. Eh oui, je sais que c'est vendredi soir, mais j'ai rien de spécial à faire. Chanceuse, ce que je donnerais pour être dans mon bain... Entendu. Amuse-toi bien. Eh oui, c'est ce que c'est. En représentation officielle, faut bien le faire de temps en temps, quand même. Heureusement, c'est chez ma sœur Evelyne, ça sera peut-être moins pénible. Bon, va te reposer. Merci pour tout. Oui. Bye-bye. À lundi. C'est Monique. Il y a encore des problèmes à l'imprimerie. Des fois, je me demande s'ils font pas exprès. Passe-moi mon peignoir, veux-tu?
Qu'est-ce que tu regardais comme ça? Je te regardais. Toi. Ça te fait pas trop peur, cette soirée-là? Peur? Hmm? J'ai l'intention d'être absolument charmante. Tout le monde dira quelle chance il a, ce François. C'est ce que tu veux, non? Oui, mais quand même, fais-en pas trop, parce qu'ils vont être jaloux. Vous savez, comme je m'en fous. L'important, c'est que tu deviennes amie avec les épouses de mes collègues. Ça, ça va m'aider. Mais je suis déjà amie avec elles, non? Si t'agis avec elles comme tu le fais avec Evelyne, tu vas les écraser. Oh, Evelyne, c'est d'autres choses. T'as besoin d'être secouée de temps en temps. Oui, mais pas ce soir. Ce soir, tu te contentes d'être ma femme. Une femme comme les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Aimante. Et soumise. C'est tout un contrat. Je vais faire ce que je peux. Et on n'a pas le temps. Il faut que je me coiffe, que je m'habille, que je me maquille. On a le temps, c'est pas avant 6 heures. Pas toi, peut-être, mais pas moi. Tout un travail, ça, de se transformer en femme aimante et quoi déjà? Soumise. Soumise. Allez, où se faire? Mais non, mais écoute, on... Il faut ce qu'il faut. Oh, c'est toi! Ton père a pas téléphoné? Non, il devait. S'il donne pas signe de vie, on va partir sans lui. Où est Nicole? Elle change de robe. Sa garde-robe est presque tout encore ici. Mais qu'est-ce que ça fait, puisqu'elle est occupée? Est-ce que t'as dû t'emmerder pendant ton voyage de noces? T'aurais dû m'attendre un peu. Tu vas vite te rendre compte que t'as pas épousé la bonne, mon pauvre Marc. Toi, si elle t'entendait. T'en fais pas. Elle voit rien, elle entend rien. Elle pense qu'à elle comme si les autres n'existaient pas. Elle a toujours été comme ça. Au fond, quand j'y pense bien, c'est peut-être pas si mal. Tu pourras faire ce que tu voudras. Ce qui veut dire que nous deux, on pourra recommencer comme avant. Ça suffit. Il n'y a rien qui va recommencer comme avant. Je l'aime, Nicole. C'est ce que tu dis. Moi, je sais que ça va pas durer. Et comme un morceau de glace, ma sœur. Toi, c'est autre chose qu'il te faut. Ça, je le sais. Écoute, Ginette. Avance. C'est comme un jeu, hein? Je t'ai pas fixé. Maintenant, c'est différent. Qu'est-ce qui est différent? Tout, la vie, hein? Toi et moi, avec tout l'avenir devant nous. Tu vas froisser ma robe. Au fait, ça va aller, tu penses? Ça fait pas trop habillé pour la campagne. Comme si c'était la campagne. On s'en va à 20 minutes de Montréal. Papa est pas là? Non. D'ailleurs, je vais partir avec vous deux. Ça sera plus drôle. Je vais juste chercher mon sac. J'aurais préféré être seule avec toi. On vient de passer un mois seul, tous les deux. Exagère pas. Ce sera une bonne occasion de dire merci à tout le monde pour les cadeaux. Ah. C'est un peu pour nous qui font cette petite fête. Je pensais que vous seriez déjà parti. Moi, j'ai été retardé au bureau, là. On allait partir, justement. Ginette? Ah, ben, je la prends avec nous, si vous voulez. Ah, c'est parfait, ça. Ça va me donner le temps de prendre une douche, relaxer un peu, là. Ah, t'es là! Hein? Hey, tu vas partir avec Marc et Nicole? Moi, je prends une douche, je me change, puis je vous rejoins. Hein? Bon, ben, allons-y. OK, tiens pas trop. Tu seras le dernier arrivé, comme d'habitude. Ben, hein? Fais ça le plus vite possible. Ah!
Oui, c'est moi. Oui. Ben, j'ai passé l'après-midi au bureau. Ben, je te raconterai. Je peux passer te voir? Non, pas longtemps. J'ai un dîner à l'extérieur. Affaire de famille, là, comme tu dis. C'est ça. Ben, tu sais bien que si j'avais le choix, hein, c'est que je ferais. Ouais. Ben, je passe te voir dans 10 minutes, OK? Ouais. Quoi? Mais non, tu sais bien que je t'aime. Ben, sans ça, penses-tu que je me donnerais tout ce mal-là? Hein? Ouais. C'est ça, tout de suite. Ah oui. Dans la pointe. Oui, bonjour, mademoiselle. Jean-Paul Bello. Ouais, ça va bien. Pouvez-vous me préparer 2 bouquets de fleurs coupées? Un dans les tons de rose mauve, là? Oui, ça, ce serait parfait. Puis l'autre, ben, n'importe quoi, à votre goût, là, ça n'a pas d'importance. C'est ça. Je parle dans quelques minutes. Merci. Question de feeling. Le jeu Parlons Hockey de la bière Laurentide avec question-réponse où chaque capsule dévissable fait de plus en plus d'adeptes au Québec. En effet, de nombreux amateurs ont accumulé leurs capsules dévissables pour jouer durant les fêtes. Alors, j'en pigeonne au hasard, qui gagna la première confrontation canadienne-nordique? Je m'excuse, Claude. Oui, je sais, Richard, il faut aussi rappeler aux gens qu'avec les étiquettes de goulot Laurentide ou facsimilé, ils pourraient gagner jusqu'à 40 000 $ lors d'un tirage. Eh bien, Parlons Hockey avec Laurentide. Je ne sais pas ce que je ferais sans les certificats cadeaux McDonald's. Imaginez, le livret de 5 ne coûte que 5 $. Et pour 99 cents de plus, McDonald's m'offre un petit ourson de Noël. En tout, 4 oursons à collectionner. 2 pour l'arbre, 1 pour mes cadeaux et 1 que je réserve à une personne bien spéciale. Mon fils Antoine. Merci, ma. Oh, je vous le dis, on ne peut pas se tromper avec les certificats cadeaux McDonald's. Moi, j'aime McDonald's. Si vous aimez Sunlight, vous serez heureux d'apprendre que désormais, Sunlight lave encore plus de vaisselle. Le liquide à vaisselle préféré au pays donne une mousse qui dure plus longtemps. Sunlight élimine nettement la graisse et rend votre vaisselle brillante de propreté. Comme ça et ça. Sunlight au parfum agréable de citron frais. Encore plus efficace et à prix toujours aussi raisonnable. Sunlight pour le meilleur et pour le prix. Mimi Lotto, ah quel bonheur, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite su, c'est ma chance à mon heure, c'est l'Auboni porte-bonheur. Ne manquez pas les l'Auboni de la Mimi, les 5 et 12 décembre prochains, il y aura encore plus de prix, 5 lots de 5000 $ et 100 de 500 $ à chaque tirage. C'est ma chance à mon heure, c'est l'Auboni porte-bonheur, la Mimi tout d'un coup. Ça fait 200 ans que les gens de Molson célèbrent le temps des fêtes avec les gens d'ici. Et nous espérons que cette excellente tradition se poursuivra encore très longtemps. Passer, c'est inutile.
Je te remercie pour les fleurs. Tu sens bon, hein? Tant pis, je le prends. C'est quoi ce dîner-là? Ah, c'est pour le retour de Marc et Nicole. Tu vois que je peux pas m'en sortir. Qui te demande de t'en sortir? Vas-y, je t'ai rien demandé. Julie, hein? Tu sais que si j'avais le choix, ce que je choisirais? Tu sais bien, d'ailleurs. Pourquoi tu le fais pas? Je l'ai beaucoup entendu, celle-là, Jean-Paul. Puis qu'est-ce que ça donne? Je te vois un coup de vent. Entre deux rendez-vous, pour pas dire entre deux portes. C'est toujours à sauvette. Toujours la même histoire. Je peux pas faire autrement, hein? Je sais. T'es marié, t'as des enfants. Mais c'est plus des enfants, justement. T'as une fille qui est mariée, maintenant. Puis Ginette... Mais Ginette a seulement 18 ans. Tu penses qu'elle comprendrait pas? Non. Au fond, si je veux voir les choses bien en face, tu les quitteras jamais. Je le sais. Je le sens. Oh, dis pas ça, dis pas ça. Tu sais qu'il n'y a plus rien qui me retienne à la maison. Plus c'est très bien. Entre Lucie puis moi, il n'y a plus rien depuis longtemps. Mais je peux pas la laisser comme ça. Puis tu connais pas Gilbert, là. Ah, lui, pour lui, une femme, des enfants, c'est pour la vie. Bon, il comprendrait qu'un homme a besoin d'autre chose de temps en temps. Ça, il fermerait les yeux. Mais tout quitter, le divorcer, je risquerais de me retrouver demain matin, pas de travail. Il est comme ça. Mais ta vie privée lui appartient pas. C'est vrai, après tout. Ah, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour lui, l'image de la stabilité, c'est très important, ça. Jean-Paul, je pourrais pas continuer bien longtemps ce petit jeu-là. Moi, j'ai plus de vie. J'en ai assez d'attendre. Il faut que je sois là quand t'en as envie. Je fais plus rien. J'ai plus d'amis. Je t'ai jamais demandé de renoncer à tes amis. Non, mais le résultat est le même. Même quand on m'invite, j'hésite à accepter, au cas où tu serais libre. J'ai 36 ans, j'ai jamais été aussi seule de toute ma vie. Je sais. J'ai besoin d'un peu de temps. Si tu parlais à Lucie, puisqu'il n'y a plus rien entre vous, elle comprendrait. Pour tout ce que tu en sais, peut-être qu'elle souhaite aussi retrouver sa liberté. Je pourrais lui faire une vie confortable. Avec mon travail, j'ai pas besoin de ce que tu gagnes, tu le sais. Moi, c'est toi que je veux. Ouais. T'as raison, je vais lui parler bientôt. Là. Je vais laisser passer le retour de Nicole, puis je vais trouver le bon moment. Quand? Bientôt. T'as raison, ça a assez duré. Puis, je t'aime. C'est toi que j'aime. Moi aussi, j'ai le droit d'être heureux. T'as pas le temps. Tant pis. Je le prends, le temps. Puis, il va y avoir tellement de monde là-bas, là, qu'il n'y a personne qui va s'en apercevoir. T'es sûr? Je t'en prie. Je t'aime tellement. On pourrait être tellement heureux si tu voulais. Ah, on est passé chez Nicole pour qu'elle puisse se changer. Le déménagement est pas fini? Tant que la peinture n'était pas terminée à l'appartement, ça valait mieux. On va faire ça la semaine prochaine. Excusez-moi. Bonjour. C'est bon. Allô, allô. Ça va bien? Oui. Bonjour. Oh, ça a l'air bon. J'ai une de ses fins, moi. Ah, ça, mon petit gars, c'est le mariage. Non, mais c'est qu'elles sont exigeantes, les femmes. Hein. C'est pas fini. T'en as pour 40 ans. Au moins. Oh. Oh, j'ai horreur de cette odeur de fumée. Dis-donc, ton père vient pas? Oui. Il sera là dans quelques minutes.
Mais vous qu'on aille dans ma chambre? Bon. Si Marc vient aussi. Marc, on descend dans ma chambre, vous venez? Non, non, on est très bien ici. Évidemment. Maintenant qu'il est marié, c'est avec les vieux. Hey, Diane va venir, veux-tu qu'on l'attende? Diane, hey, elle, c'est l'ennui mortel. Oui. T'as de la musique? Viens, je vais te montrer. Non. Oui. Oups! Allez-vous? Bon. Oui. On descend écouter de la musique. Tu nous appelles quand c'est prêt? Oui. Claire? Non, non, merci. Pas tout de suite. Oups! J'y vais. C'est tout ce qu'il vous faut? Oui, oui, merci, t'es gentil, hein? Allô? Bonjour. Oh, mon Dieu, t'es chic! Oh! Hey, moi qui ai eu de la misère à me trouver une robe qui me fait. Oui, on dort. Bonjour, François. Allez-y, tout le monde est dehors, aussi en profiter pendant qu'il fait beau, hein? Je peux pas t'aider? Non, 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 tout est prêt. Bonjour. Oui, c'est presque fini. Claire. Ah, Véronique. Bonjour, Véronique. Bonjour, bonsoir. Je vous sers un petit verre. Parce qu'il ne faut pas compter sur Roger, hein, il y en a déjà plein les bras. Ah, oui. Ah, ben, laisse faire, je vais y aller, moi. Tout est dans la cuisine. OK. Bon, ben, je vous confie mes petites tâches. Il est toujours appelé comme ça, même si on a juste un an différent. J'en reviens tout de suite. Bonjour, Roger. Ah, allô, Véronique. Non, mais belle. Bonjour, ça va? Bien, merci. Vous autres? Ah, oui. Oui. Ils ont fait un très beau voyage. Alors, ça y est, François fait partie du bureau. Hein? Oui, je pense que tout est réglé. Il va être bien, là. Beaucoup mieux qu'à la banque. Et puis, François, il s'entend bien avec tout le monde. C'est vrai. Il a un caractère en or. Vous ne vivez pas avec lui, vous. Oh, mais ça sent, ces choses-là. Et c'est comme Jean-Paul, hein, prévenant, plein d'attention. Ce qui est dommage, c'est que vous n'ayez pas d'enfants. C'est vrai. Quand on n'en a pas, on a plus de temps pour s'occuper l'un de l'autre. Puis les enfants, ça s'en va. Hein. Regardez, Marc et Nicole. Moi, depuis que Marc est parti... Alors, ça fait un trou. Mais non, ça te fait une fille de plus. Remarquez que c'était Diane qui s'était mariée, ça me ferait moins de quoi, mais... je l'aime, c'est ma fille, mais... Marc, c'est autre chose. Allô? Roger, le cuistot. Très bien. Pourtant que tu travailles à ça. Ah oui, je suis arrivé, là. Je travaille au bureau. Tu vas avoir faim. Diane! Tu peux venir t'asseoir avec nous, si tu veux. Je serai très bien ici. Ah, je vous le disais, hein, une vraie sauvageonne, et dire que c'est ma fille à moi. Ah ben non, je ne sers pas d'eau de vin. Non, mais non, merci. À la vôtre. Santé. Santé. Allô, François. Salut. Ah, ça va? Allô? Ça va? Ça va bien, toi? Oui. Donc, ton père n'est pas là? Il va pas tarder, prenez une douche. Ah, bon, bon. Excusez-moi. Allô, toi? C'est beau, c'est bon. Ah, Véronique. Cette fois, vous faites vraiment partie des nôtres. Tout est réglé avec François, il vous l'a dit? Oui. Je suis très content de l'avoir parmi vous. Tu veux quelque chose à boire? On se sert soi-même. Ah oui, je veux bien. Ah ben, j'ai compris. Excusez-moi. Je comprends pas que ton père soit pas déjà là. Il est vraiment très belle. François a beaucoup de chance. Je le pense vraiment. Hey, on a faim. Bon, ça vient. Bien. On a plusieurs de prêts. Je sais qu'on va les autres. Les brochettes sont prêtes. Une touche de crème, comme un goût de velours pour toi que j'aime. Une touche de crème, une touche de crème, une touche d'amour pour toi que j'aime. Une touche d'amour, une touche. C'est un jour nouveau qui se
soleil. Voici le nouveau Coast Soleil Levant, tout aussi émoustillant que le Coast classique, mais avec une nouvelle senteur. Coast Soleil Levant, vivifiant, mais différent. La fraîche sensation de nouveaux jours naissants. Coast vivifiant et stimulant. Coast est aussi actif que vous. Le nouveau Coast Soleil Levant est aussi le tonifiant Coast classique. Entre parents, entre amis, en douceur, au kiff. En douceur, au kiff. Après 25 ans, les gens en ont assez des détergents en poudre sur la vaisselle. Heureusement, vous pouvez dire adieu aux poudres. Voici Palmolive Automatique, un nouveau liquide révolutionnaire conçu spécialement pour les lave-vaisselle automatiques. Parce qu'il est liquide, il se dissout plus vite et ne laisse aucune trace de poudre au rinçage. Alors, levez votre verre et dites adieu aux poudres avec le nouveau Palmolive Automatique. Je suis réveillée, j'ai le goût de bouger. Je gagne dans mon vol, je vais Coltex de Kellogg. J'aime quand ça croque, quand ça croustille. Je gagne mieux dans mon vol, je vais Coltex de Kellogg. C'est si croquant, une vraie bouchée de soleil. Si croustillant, si croustillant. Ça me prend le goût de Kellogg. Je gagne mieux dans mon vol, je vais Coltex de Kellogg. Tiens, Véro, j'ai ce qu'il te faut. Comment? Laisse-moi faire. T'as vu la tête de Lucie? 7 heures, Jean-Paul est pas encore arrivé. Je suis sûre qu'elle se meurt d'inquiétude. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tout le monde avait faim. Il aurait pu téléphoner. Jean-Paul? Il va arriver là, avec un mensonge gros comme une montagne à la bouche. Je suis sûre qu'il a trompé. Puis c'est pas la première fois, il y en a eu d'autres. Une fois, là, j'étais allée faire des courses dans le centre-ville. Ça fait à peu près 2 ans, ça, que je l'ai vu monter dans un taxi avec une fille. Il fallait qu'on pense que je couche avec tous les hommes avec qui je prends un taxi. Tu trompes François, toi? Non. Je dis ça comme ça. Parce que ça prouve rien, ce que tu racontes. Bon, ben, c'est le mieux qu'on va pouvoir faire. Tant pis. Hein? Est-ce que tu penses que Roger pourrait me tromper, moi? Cesse de tourmenter. Roger, c'est un bon mec. Il y a toutes les occasions pourtant. Hein? Il n'est pas souvent à la maison. Remarque, celui à qui je donnerais pas le bon Dieu sans confession, c'est Gilbert. Je sais pas ce qu'il a, cet homme-là, une façon de regarder. Gilbert? Gilbert, ma petite fille, là. C'est le bureau éclair et dans cette heure-là, en plus. Dommage. Ouais, ben si j'ai un conseil à te donner, garde tes distances. Parce que Claire, elle voit tout. Si tu veux pas que ça se tourne contre François, là. J'ai compris. Hein? J'ai juste dit, dommage. Tiens, non, merci. Il fait moins chaud maintenant. Est-ce que je devrais téléphoner à la police? Est-ce qu'il y avait eu un accident? Il n'y a pas de réponse à la maison? Non, Nicole vient d'appeler. Ben, tu connais Jean-Paul, hein? Il sera parti en retard. Il est comme ça, ton mari. Je suis inquiète. Patiente encore un peu. Change d'air. Tu vas affoler tout le monde. Ah, c'est déjà. Non, mais là, j'ai lancé. Là, ça, vraiment, ça tirait. J'ai fait ni une ni deux. Je me suis levé debout dans le chaloupe. Ça m'a pris au moins 10 minutes de sortir. Un air chiant, tiens. Long comme ça. Alors, le printemps prochain, je vais avec vous. Je te dis, c'est plein. C'est oui. Il faut le dire à personne. Non, non. C'est loin, par exemple. Vous n'aimez pas la pêche? Pas vraiment, non. Vous savez ce qui se passe ici? Oui. Je pense qu'on attend Jean-Paul. Et il est où, vous croyez? Quelque part dans les bras d'une femme, peut-être.
Ça se fait beaucoup, vous savez. Mais il dira qu'il a eu une crevaison et qu'il a été retardé sur la route. Il dira n'importe quoi, on le croira. Je crois que votre fils a besoin d'aide. Vous voyez tout. C'est là. L'expérience. Eh bien, laissons-le se débrouiller. Lui aussi, il faut qu'il se fasse de l'expérience. D'ailleurs, il aurait très bien pu épouser celle-là, ça aurait été pareil. On aurait peut-être dû. À cet âge-là, on prend des décisions concrètes. C'est comme ça. Bloqué une heure sur la 40 en haut. C'est un gros accident, énorme. Deux camions, puis je suis arrivé là, il y avait les ambulances, trois, les pompiers. En tout cas, le cœur m'allait comme ça. J'espère que vous m'avez gardé quelque chose à manger, là, parce que je pensais juste à ça dans la voiture. J'ai des affaires en masse. Oui, Evelyne, j'ai des fleurs. Mets ça dans l'eau, là, parce que ça fait un temps que c'est sorti de pourquoi tu n'as pas téléphoné? Je ne voudrais pas la laisser la voiture au milieu de la route. Je téléphone, non. Vous, Roger, on peut prendre un verre, quelque chose? Oui, c'est un problème avec la voiture. Ah.